Bonjour à tous et à toutes, hein, c'est Besti, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Frapsolus du Let's Play de Dead Space 2 sur PS3. Et oui, nous sommes donc à l'épisode 3. Oui, non, le blanc était fait exprès, rassurez-vous. Donc, c'est parti, nous allons continuer l'aventure. Nous sommes à épisode 3, donc dans la dernière... Voilà, donc la nouvelle bestiole que vous venez d'apercevoir est une nouvelle espèce de nécromorphe qu'on va rencontrer dans le jeu. Hop, j'ai juste baissé un peu le son de mon casque et c'est parti. Oh putain, j'avais pas vu que t'étais là toi. Excusez-moi cher monsieur. Ouais, c'est vrai que j'ai mon truc qui est plein. Alors, je sais pas, il me semble que cet épisode est assez court. Alors, c'est ici qu'on va rencontrer la bestiole qu'on a vue tout à l'heure. Alors, pour un conseil, allez... Allez ici. Oh, putain! Ah, les enfoirés. Ils ont tracé. Voilà, donc je vous conseille de vous mettre ici, comme ça vous avez une vue assez dégagée sur, sur ce qui vous arrive. Vous voyez, les nécromorphes sont pas très puissants. Voilà, vous pouvez les tuer en un coup. Seulement, bah... Voilà, faites quand même attention. Argent. Toujours en vie. On a peu de temps. Il détecte nos signaux. La mémoire vous est-elle revenue? Je me rappelle les bonnes et les mauvaises. Plus je me rappelle, plus j'ai des mots. Je vois toujours les symboles. Vous voyez le symbole, Isaac? Et cet homme? J'arrête pas de voir ça. C'est chier, ils m'ont trouvé. Voilà, notre ami a des petits problèmes, on va dire. Alors, allons dans le petit stock. D'accord. Ça, c'est mon coffre, évidemment. Alors, ça, on va vendre. Ça, on va le déplacer. Ça, on va vendre. Et ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que j'ai... Mais non. Voilà. Je vais me remettre de la... Je vais me rajouter de la vie. Je vais me rajouter aussi... Voilà, des munitions. Ce que j'aimerais, c'est me rajouter plus de balles. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est ok. Je peux pas me soigner. Alors. Continuons. Je voulais savoir, j'ai bien un point de force. Oula, oui, j'en ai trois. Alors. Alors, lui, on peut pas le tuer. Hein. Essayez pas de le tuer. Alors. Ancien patient du projet, tout comme vous. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un psychopathe, Isaac. Méfiez-vous de lui. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Ouais, c'est assez bizarre, ouais, effectivement. Alors, donc cette statue, en fait, vous devez la détruire pour avoir un trophée assez spécial. En fait, c'est un petit secret, voilà, de la map. Donc, détruisez-le. Tiens, un petit message. Histoire de la conquête spatiale, Titan, Renaissance d'une Lune, partie 2. Une colonie d'envergure fut établie sur Titan afin d'en étudier les moindres détails et de préparer son désassemblage. Durant cette période, les plateformes orbitales installées pour l'occasion devinrent les prototypes des futures brises surface.
Titan fut démantelé avec succès puis traité à une vitesse impressionnante. L'opération fut un immense soulagement pour la population terrestre, menacée d'extinction par le manque de ressources. Le traitement de Titan fut stoppé avant que toute sa structure ne soit détruite, ne laissant qu'un modeste fragment supportant la colonie. À partir de ce moment, la station s'agrandit considérablement et accompagna le développement des brises surfaces, servant de centre de recherche, puis avec l'avènement du voyage lumière, de point de lancement pour les missions de démantèlement. La station est aujourd'hui appelée la Méduse, en raison de son aspect tentaculaire. Ouais. Bah, ça présage rien de bon. Donc ça, à mon avis, c'est une discothèque. On peut entendre le bruit. Le bruit de la musique, je sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà. Alors, partez à gauche. Je l'ai pas dit là-bas, mais partez à gauche. De toute façon, on va se rejoindre en un point, mais vous avez des nécromorphes qui vont se pointer. Allez, petit nécro. Ok, bon, pas de nécromorphe. En accord avec le code civil de Titan, je fais respecter la loi martiale. Tous les citoyens sont priés d'évacuer immédiatement. Les saccageurs seront abattus sans avertissement. Ceci n'est pas un test. Veuillez ouais. Vous diriger dans... Pas très encourageant. Donc là, il y avait de l'argent là-bas. Ici, nous avons... Voilà. Un petit semi-conducteur qu'on va récupérer tout de suite, vous allez voir comment. Donc moi c'est un des moyens que j'ai trouvé. Hein. Voilà, vous pétez ça, et voilà, vous le ramenez vers vous. Un semi-conducteur, oh oui, je crois que je l'ai dit. Encore un message. Sur les traces d'Altman, à l'intention des disciples de Michael Altman, nous, enfants du monolithe dénonçons la politique de répression menée par le gouvernement à l'encontre de notre liberté de culte. Ce gouvernement limite abusivement les actions de notre église, interdit par la force de nos rassemblements lors des jours d'unité, censure la diffusion de nos écrits. Nous y voyons autant de tentatives ridicules pour cacher la vérité. Notre vérité, ces tentatives seront vaines. Le chemin emprunté par le gouvernement est impie, aveugle, destructeur et sans espoir. Seule l'unitologie peut encore apporter des réponses. Altman l'avait prédit et nous sommes au service de sa vision. Préparons-nous, la convergence est proche. Ok. Bon, les unitologues sont des malades en fait, hein. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, la petite phase de pirate. Eh ? J'étais dans le truc bleu. Ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Alors, je l'ai pas dit, mais vous voyez en fait, quand on se trompe, eh ben on se fait mal et ça nous fait perdre de la vie, hein. Allons-y. Leila, je croyais me diriger vers les résidences. On dirait un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu? Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. A plus. Ok. Un petit message encore. Église du nettoyage de Titan, recruteur Pierre Guibaud, acquis membre à jour. Une nouvelle recrue se raréfie ces dernières semaines. Le gouvernement n'y est pas étranger avec sa campagne de dénigrement, nous faisant passer pour des escrocs, voire des terroristes dans les médias. Des responsables des églises de Vénus et de l'Héliopause, travaillent à une réponse appropriée. Le budget nécessaire sera alloué aux relations publiques, voire directement aux médias pour refuser ces accusations. Les licenciements de la CEC ont également une incidence, nos recrutements ayant chuté de 30% par rapport à l'année dernière. Terminé. Ok. Oh non, putain, pas cet endroit-là. Donc vous voyez, ici nous avons une vitre. Vous savez ce que c'est une vitre, hein, vous savez ce à quoi elle correspond. Donc on va voir des petits nécromorphes. Alors c'est parti. Voilà, là je vais attendre que... Voilà, j'attends qu'il y ait pas mal de nécros comme ça. Je les aurais tous baladés, seulement c'est pas fini. Voilà. Alors normalement il y en a encore. Voilà.
Donc après que vous ayez débarrassé bah, le coin de tous ces pauvres bestioles, on va pouvoir visiter pour voir s'il y a des choses à récupérer. Et il y en a normalement. Vous pouvez péter les vitres. Hop. Et par là, il y a des balles. Voilà, on va pouvoir passer dans ce petit conduit. Ok. Alors là, on arrive dans une salle qui est assez assez bizarre. Vous allez voir. Déjà, je récupère un max de trucs. Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer les membres coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Vous voyez? Retournez les contrôles. J'ai une vide de bon sang. Ces salauds m'ont pas loupé. J'espère que ça pourra vous aider. Ok, donc voilà, on peut récupérer bah, comme dans le premier Dead Space, hein, voilà, hop. Non mais c'est bon, tais-toi. Voilà, vous pouvez récupérer les membres coupants, évidemment, hein, je l'ai déjà dit, vous pouvez même récupérer les trucs qui coupent à terre pour les renvoyer contre eux. Hop. Pourquoi je ne peux pas prendre ceci? Faut que j'aille par là. Ah oui, je suis obligé d'aller par là de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce? D'accord. Bon, je peux rien prendre. Ça, c'est chiant, ça. Je suis obligé d'attendre la deuxième armure pour avoir un maximum d'objets. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer, mes chers amis? J'aimerais bien continuer à améliorer le cutter plasma, mais il faut peut-être que j'améliore un peu bah, mes autres points. La stase, on va augmenter la durée. Là, qu'est-ce qu'on peut améliorer? La recharge. Mais je vais en mettre un ici, voilà. Normalement, comme je l'ai déjà dit, vous aurez jusqu'à la fin du jeu, vous aurez normalement assez pour améliorer tout, c'est-à-dire vos rigs, la stase et le cutter plasma. Mais après, les autres trucs, je ne sais pas. Alors là, il faut qu'on arrête le... Voilà, nous pouvons actuellement entrer dans le machin. Donc là, on a des potes. Voilà. Je t'attendais, toi. Wow. On se calme. J'ai dit, on se calme. Toi, tu vas exploser. Merci bien, merci. Il n'y a rien d'autre, on peut y aller. Voilà. Alors ce qui est pas mal maintenant, voilà, donc la nouveauté de ce Dead Space, c'est que en zone sans gravité, on n'est plus obligé de viser un point et de sauter. Là, on peut se balader comme on le souhaite, hein, voilà, au niveau de la gravité, parce qu'on a des rétrofusées. Alors c'est pas par là qu'il faut que j'aille, mais je vais aller quand même par là, parce que vous allez voir qu'on a des choses à récupérer.
un petit point de force. Et là, on a quelques trucs. Non, c'est ça que je veux. Ok. Bon, tant pis. Ça n'est pas grave. Ah oui, là aussi, on a de la vie. Faut que j'aille où? Voilà, faut que j'aille là-bas, seulement faut que j'ouvre la porte, donc il faut que je passe par ici. Non. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, parce que dans l'espace, vous allez voir que quand on va aller dans l'espace, ou dans les zones sans gravité, bah, on peut se déplacer comme on souhaite. Et donc, on n'est pas dépendant de ça. Voilà, donc là on a ouvert la porte, seulement il y a plein de petites choses qui vont... Alors on peut se déplacer comme ça, pour accélérer c'est L2, hein. Pour se remettre au niveau du sol, c'est R2. Et puis après, bah, c'est les boutons classiques. Alors normalement je crois qu'il faut pas qu'on se fasse toucher par ces choses en fait. Pour m'orienter vers le sol, oui c'est ce que je viens de dire. Hop. Ouverture, please. Donc là, je ne pense pas qu'on ait des nécromorphes. Ah oui, la lumière vient de s'éteindre, c'est normal. Elle va se rallumer. Ah oui, on a des nécros qui vont apparaître. De l'argent. Ici. Voilà. Voilà. Et normalement, il n'y en a qu'un ici. Alors, il faut qu'on remette l'énergie. Voilà. Comme ça, tout est allumé. Ah merde, le stock n'est pas allumé. Bon, ça me fait un peu chier. Parce que je vais utiliser un point de force pour accéder à cette salle. Seulement, j'ai beaucoup trop d'objets. De l'argent. Mais non. D'accord, donc ça, je vais le prendre. Je vais virer ça et ça. Voilà, je prends ça et je prends ça. Voilà. Et donc, oh bah, on peut continuer, évidemment. Ouais, je suis un peu enrhumé, donc c'est pour ça, si vous m'entendez parler du nez ou... renifler ou avoir la voix qui est un peu patraque, c'est normal, je suis un peu malade. Mais je fais quand même cette vidéo. Yeah. Alors nous sommes à 18 minutes, ça va. C'est pas très long. Normalement, on va arriver bientôt à l'épisode 3. Encore un point de force. Objectif atteint. Pourquoi? Ouais. Alors. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de tuer d'abord ce truc-là. Voilà, faut que j'aille par là. Seulement, avant, on va faire... Voilà, on va faire message trouvé. Ah bon. Ok. Sally 3, message de Sally Hennen à Marion Hennen. Ok Marion, c'est Sally, je te laisse ce message pour le moment où tu viendras récupérer mes affaires. J'espère ne rien oublier, c'est tellement important, la renaissance va avoir lieu très très bientôt. Comme promis, c'est une occasion unique, comme la seule d'une vie, ou devrais-je dire d'un million de vies. Nous nous préparons à ça depuis l'aube de l'humanité, tu te rends compte de cette chance, nous allons assister à ça. Je suis tellement excité que j'ai des frissons. Ok, je dois partir, la cérémonie... commence dans une heure, je dois y être à temps. Adieu, je t'aime très fort, rejoins-nous. Ah, ok, bah, ouais. Et voilà, merci. Ok, donc ici, il y avait un message. Wow. Alors, je déteste ces bestioles. Alors, il y a un autre moyen de les tuer, voilà, c'est de les prendre sur soi et de faire X, mais ça vous enlève quand même de la vie, donc c'est pour ça que... il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien du tout. Je trouve que c'est assez macabre quand même comme... comme endroit.
Allez, donc là on va avoir une hallucination bientôt. Effectivement, elle n'est pas réelle. D'accord, ah oui, alors là aussi je crois. Il n'y a rien, on continue. Putain, je déteste cette pièce. Donc là, il n'y avait que dalle. Ah oui, donc là, on va descendre là-bas. Ça va être assez chiant, vous allez voir normalement. Voilà, on va descendre ici, il y a plein de cadavres. Eh ben non, vous m'avez pas trouvé. Voilà, donc comme je l'ai dit, là en bas ça va être assez dur parce qu'on va avoir des vagues d'ennemis. Enfin de nécromorphes plutôt. T'es enfoiré. Dégage. Je déteste quand on me surprend. Je vais prendre de la vie. Voilà. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir un stock avant de descendre. Bonjour monsieur, vous avez été carbonisé, je crois. Et la bougie a enflammé la moquette. On entend plein de bruits bizarres, je déteste quand ça fait ça. Point de sauvegarde, tiens, bon, on va sauvegarder. On va sauvegarder tant qu'on y est. Alors, hop, ça je peux le supprimer. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, alors... À partir du moment où je vais rentrer dans cette salle, ça va être problématique. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ramener les cadavres et de les démembrer. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, dans Dead Space 1, vous avez un nécromorphe qui, en fait, transforme les... d'accord, le cadavre a disparu? Non, il est là. Vous avez un nécromorphe qui transforme bah, tous les cadavres, tous les morts. Tiens, il y a de l'argent ici. Tous les morts en bah, en nécro. Cassez-vous, c'est ça que je veux. Voilà. Ça, je vais te démembrer. Voilà. Et je pense que c'est bon. Alors il y a encore des cadavres évidemment, mais c'est parti, on va y aller. Voilà, là-bas le machin. Merde. Maman. Ça c'est bon. Eh viens là toi, que je t'explose, putain! Mais cassez-vous! Putain mais... Pars-toi! Non, je ne veux pas mourir! Alors vous voyez qu'ils vous enlèvent quand même de la vie en QTE. Hein. Excusez-moi. Sur des terres duées. Oh putain, c'est casse-couille, hein, c'est chaud. Hein. Je suis pratiquement fait défoncer. Ah évidemment, le jeu ne peut pas... comment dire, ne peut pas charger autant d'ennemis en fait sur une seule zone. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, les ennemis se barrent, disparaissent. Donc vous êtes obligé, enfin vous êtes pas obligé, mais
je vous conseille de d'essayer de leur faire cracher un petit bonus avant qu'ils disparaissent. Je veux ce schéma, de toute façon je vais me soigner. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout récupéré. Et des petites photos. Ouais, ce qui est pas mal dans Dead Space, c'est les détails en fait. Le niveau de détail qui est assez impressionnant. C'est parti, on va continuer. Alors là, on arrive 01, la divine découverte. En 2214, le géophysicien Michael Altman fit une découverte qui allait changer l'histoire. Effectuant des recherches sur Terre dans le cratère de Chicxulub, il découvrit le don d'un dieu extraterrestre, le monolithe. Le monolithe lui révéla le secret qui devait unifier l'humanité dans le futur, pour sa gloire. Ouais. Deux prophètes et martyrs. En très grand nombre, les gens voulurent en apprendre plus sur le monolithe et l'unité promise, après que Michael Altman eut fait part de sa découverte. Mais le message d'Altman ne plaisait pas à tout le monde. Et le 15 mars 2215, il fut assassiné et devint ainsi le premier martyr de l'Église. Ouais. Quel dommage pour lui. Trois fondations de l'église. Les fidèles d'Altman le pleurèrent, mais virent la lumière dans son vœu d'unité. Refusant que la vérité soit cachée aux yeux du monde, ils fondèrent l'église d'unitologie pour la répandre. Ok. 4 des milliards d'adeptes. Oui, c'est une secte en fait. 5 lumières sur Titan. Née d'un petit groupe local de mineurs dévoués, l'église d'unitologie de Titan s'est développée selon les préceptes fondateurs d'Altman, notre maître à tous. Elle compte l'une des plus belles églises de tout le système solaire et accueille régulièrement nos banquets d'audition unitologues. Génial! Et enfin, le dernier, 6 vers le futur. Dans l'attente de la convergence, nous devons continuer à nourrir notre relation au monolithe afin de comprendre ce qu'il nous réserve pour le futur. Le monolithe nous appelle. Il est de notre devoir de lui ouvrir notre cœur et notre esprit. Non, pas du tout. Le monolithe veut nous tuer. Voilà. Et là, nous allons arriver à l'épisode 4. Donc, nous allons bientôt quitter cette vidéo. Oui, c'est ce que j'allais faire. Épisode 4. Voilà. Donc nous sommes... Dana, l'église d'unitologie. Pourquoi ? C'est l'un des seuls endroits que Sandman ne surveille pas sur Titan. L'église est séparée de l'État. Non, Dana, on ne devrait pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. C'est très important. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Ok. C'est un peu la merde. Traceur avancé. Avec le traceur pour trouver point de sauvegarde et plus. Oui, ça je le savais déjà. Donc nous allons trouver un point de sauvegarde rapidement, parce que c'est l'épisode 4 quand même. Avant, on va essayer de récupérer voilà ce qu'on peut récupérer. Message. À l'intention du personnel des visites, veuillez toujours à garder les visiteurs sous votre surveillance. Les centres d'endoctrinement sont strictement interdits au grand public. Rappelez-vous, vous êtes la lumière de ceux qui marchent dans les ténèbres. C'est bien ce que je dis, c'est une putain de secte. Alors, donc là c'est fermé. Veuillez observer le silence à l'intérieur afin de respecter cet espace
et tous ceux qui l'utilisent. Ouais, sauf que ça va pas être aussi silencieux que ça en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc là, nous avons un message qu'on va s'empresser de lire. Vers l'unité. Par la grâce à notre sauveur Michael Altman, nous savons que toutes les formes de vie finissent par s'unir. Un esprit, un corps, une voix, c'est ce que représente la forme du monolithe. Nous lui répondrons par nos bras entrelacés, nos doigts se rejoignent en un seul au sommet, c'est notre geste sacré, utilisé pour ouvrir nos cérémonies ou simplement nous saluer. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit point de force, sauf que là... Voilà, coucou mon ami, je savais que tu allais venir. Et regarde ce que tu as fait, tu as tout saccagé. Voilà, donc il y avait juste ça en fait dans cette pièce à récupérer. Isaac, vous voyez aussi les symboles? Ils veulent dire un truc. Oui, je vois les symboles. On est un risque pour eux, je le sais. Il faut qu'on s'entraîne. Comment ça? Qui sont-ils? Tideman, on est? Strauss? Ok, Strauss délire toujours en fait. Bienvenue dans notre boutique de souvenirs. Vous y trouverez des marques de fidélité témoignant de votre foi dans les enseignements d'Altman. Collier monolithe fabriqué avec des fragments de titan disponibles. Gloire à Altman. Petite boutique de souvenirs, voilà, qui est en fait un stock, un plan, et voilà, c'est tout en fait. Et un point de sauvegarde qu'on va utiliser bientôt. Je vais juste, vendre ça et ça, ça aussi, évidemment. Un petit point de force. Ouais, deux petits points de force. Non, pas trois petits points de force. Cela suffit. On va reprendre de la vie. Voilà. Je vais améliorer ce que je peux améliorer et ensuite nous allons quitter. J'aimerais bien améliorer ça. Alors les dommages, c'est les coups que vous pouvez porter au corps à corps en fait, donc c'est complètement inutile. Je ne vous conseille pas de prendre ceci. Recharge et capacité. Voilà. Je pense qu'avec ça, on devrait être bon. Voilà, et nous allons nous quitter ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour la suite, l'épisode 4 de Dead Space 2. Prenez soin de vous, likez la vidéo, abonnez-vous, lâchez vos commentaires, et à plus tout le monde, ciao ciao.